Wesh, ma gueule, comment tu parles? En fait, tu sais pas qui je suis, j'ai l'impression. En fait, tu manques de respect. Donc écoute-moi, wesh, Narvalo. Ça va mal se passer, ok? Donc là, je vais monter dans la chambre et je vais te montrer comment on respecte un bonhomme. Parce que là, j'ai l'impression que tu me respectes pas et ça va beaucoup trop loin. Ok? Donc tu vas te calmer. Je monte en haut. Attention, j'arrive. C'est quoi de ma réponse? Ça montre que je me respecte, je me laisse pas faire, on est d'accord? T'en penses quoi? Vas-y, viens, on va monter dans la chambre, t'inquiète, viens. Vas-y, on monte en haut. Vas-y. Les gars, je vais montrer à la Marie qu'elle me parle pas comme ça. Je te fais confiance. Oui, mais là, ça montre que je me laisse pas faire. Je vais voir en face, moi. Nous, on est des mecs, on va voir directement. En face, vous allez voir la Marie, comment si t'es la street. Manque de respect. On va voir si t'es la street. Vas-y. On va voir si je suis la street, on va voir si je suis la street. On va voir. Allez, vas-y. Juste avant de monter, j'ai envie de vous parler du e-sport. Est-ce que vous connaissez Zekabet? Tu connais Zekabet? Qui me connaît pas? C'est le meilleur pronostiqueur de e-sport. Alors, qu'est-ce que le e-sport? C'est des jeux vidéo. T'as plus de chances de gagner avec le e-sport parce qu'il n'y a pas de carton rouge, il n'y a pas de blessé dans un match comme par exemple le foot. Là, c'est vraiment incroyable le e-sport. C'est soit tu gagnes, soit tu perds. C'est génial. Il a un message pour vous. Écoutez. Seb, salut la famille. En direct de mon espace de travail. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, vous allez très très vite comprendre. Moi, c'est Zekabet et je vis grâce au e-sport. Je vis grâce à mes parts sur les jeux vidéo. On se fait un max d'argent. C'est incroyable. Tous les jours, tous les mois, toutes les semaines. Tout ce que je joue personnellement, je le partage à toute ma communauté 100% gratuitement et en public chaque jour. Pas de site internet, pas d'inscription, pas d'obligation, rien de tout ça. Swipe up, rejoins-moi, c'est gratuit. Ou viens juste voir la puissance du e-sport. Tu vas comprendre que c'est une réelle dinguerie. Bienvenue à tous. Facilement faire 200, 300, 400 euros juste en le suivant. Il va te dire comment faire, tu le suis et fais-moi confiance. C'est le futur, le e-sport. Allez, dépêche-toi, envoie-lui un message et fonce. Avec Zekabet, tu as misé sur des jeux vidéo. C'est incroyable et ça marche. Swipe up et ajoute-le et va voir sa story. Je vais rentrer dans la chambre de la Marie. Je vais lui montrer que je suis un bon homme. C'est quoi un vrai bonhomme? Montre-moi, c'est quoi un vrai bonhomme? Ah ouais, je te montre, je te montre. Montre-moi, montre-moi. Yama, tout. Vas-y, t'as tout pour vrai. Vas-y, vas-y, montre-moi, c'est quoi un bonhomme? Chut, chut. Voilà, Marie! Ah, comment ça va? Mais tu vois, t'as qu'est-ce que t'as l'envers là, t'es ah, écoute, là, je commence à en avoir marre, comment tu m'as parlé? Ah, c'est un manque de respect! C'est un manque de respect, t'es malade! Non, mais en fait, je t'explique. Déjà, arrête de parler comme un. T'es ridicule avec ta casquette sur tes côtes, là, tu veux faire le mec de la street, mais t'es pas avec de la street. Tu es Sébastien Dubois, d'accord? Tu viens de New York, tu es Sébastien Dubois. Et en plus, je t'ai envoyé un vocal pour te dire d'arrêter de m'inventer des vies, parce que tu m'inventes des vies en fait. Je vais pas me faire limer la mâchoire, d'accord? Arrête de m'inventer des chirurgies et des vies, tu fais pas partie de ma vie privée, ça fait 3 jours que tu me parles pas. Vas-y, parle-toi là, parle-toi. Voilà, fais ma mère, comment tu parles? Moi, je suis un malade pendant ma tête! Tu veux encore faire une chirurgie esthétique alors tu me donnes pas mon avis à moi? Tu me demandes pas mon avis à moi? Arrête de t'inventer des vies, tu parles de moi, ça fait 3 jours que tu me parles pas, donc arrête de dire mon nom et arrête de m'inventer des chirurgies. Et toi qu'est-ce que tu vas faire des gestes? C'est un miroir que tu vois. Il y a un miroir. Ah, parle avec moi là, parle avec moi là. Parle avec moi là. Laisse-toi. Arrête, tu crois quoi? Tu vas me laisser faire toute ma vie comme ça? Non, 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 c'est moi qui dis dégage. Allez, ciao, viens, on y va. Voilà, voilà, mais voilà, ciao. Mais sors maintenant. Oui, c'est toi qui sors. Bah oui, qu'est-ce que c'est moi qui sors? C'est moi qui sors, c'est toi qui sors. Mais t'es malade ou quoi? Ah, en fait, non, c'est moi qui sors parce que j'ai envie de sortir en fait. Dégage, vraiment dégage. Beach, Fraise Design, c'est 100% français. Mais c'est trop bien ça, Léa, ça vient d'arriver. C'est de la dinguerie. Peaky Beach est une vraie marque, ils ont même leur propre centre. Regardez juste la qualité. Regardez la qualité. Et oui, regardez Peaky Beach, c'est vraiment canon, je vais les essayer. Regardez comment c'est ouf. Il est pas canon. Les gars, regardez, ils sont incroyables. Wow, les gars, j'adore vraiment de ouf. Regardez, allez swipe up et je te garantis, tu vas forcément trouver un modèle qui va te plaire. Waouh. Regardez comment c'est bien coupé. En plus, il y a plein de modèles. Swipe up pour aller voir et en plus, une méga promotion. Allez, va sur le site internet, il y a les maillots et plein de maillots. Mais aussi, avec mon code promo, si tu veux commander maintenant sur le site internet. Si vous avez une boutique, oui, vous avez une boutique de fringues et que vous voulez vendre ces maillots de bain de prestige 100% français, tu envoies un mail directement au créateur de cette marque et tu peux la vendre dans ta boutique. Ça va cartonner, tu vas voir, c'est la future grande marque. Allez, swipe up, achète, fonce, swipe up. Allez, dépêche-toi, il y a plein de maillots. Allez, swipe up et fonce, allez, swipe up. Calling, if I can't help you here tonight, won't you help me lose my mind? Oh,
aujourd'hui, j'emmène Marlon dans un hôtel luxueux pour le faire kiffer. C'est mon frérot. J'ai ramené Marlon dans un super bel endroit. Ouais. Le jardin du Faubourg, un endroit luxueux. Ouais, c'est qui ou pas frère. On va se faire un petit spa. Ouais, déjà, ils vont me regarder bizarrement, frère. Allez, vas-y, rentre. Ouais. Bienvenue dans le luxe. Marlon est émerveillé. Dans l'hôtel de luxe, on va vous expliquer pourquoi. Mais juste avant, Marlon veut me trouver une autre meuf de quartier. Ouais, je vais t'aider à trouver une vraie meuf, t'as capté, une vraie meuf de cité. Voilà, comme moi. Une meuf de cité, voilà. Parce qu'apparemment, elles ont plus de valeurs, plus de principes, et voilà. Elles respecteraient aussi plus le fait que, voilà, je pourrais lui offrir la belle vie, et elle dirait putain merci Seb, elle sera... Et elle va fermer sa bouche, quoi. Elle va rien dire, elle va se taire et elle va écouter. T'inquiète pas, t'as de l'argent. Ouais, je sais pas. Ouais. Avant qu'il essaie de me trouver une meuf, parce que moi je suis pas contre. Vu comment elle est mariée avec moi, elle m'a dit non à mes fiançailles. Je peux rencontrer quelqu'un. Après, je vais pas tromper Léa, mais peut-être voir une autre fille pour recommencer en fait. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Juste avant ça, il faut que tu ailles régler ton compte avec un ami à moi, okay, un jeune entrepreneur que tu as racketté, rappelle-toi, il y a quelques jours, et je voudrais que tu rentres son argent. Wow, donc là, on est dans son, là, on est dans son hôtel de luxe et on va aller le voir. Je fais des phrases. Tu lui rends son argent. Tu l'as racketté, frère. Les gars, donc là, on est chez Bertrand, mon pote entrepreneur qui fait de l'oseille. Marlon, tu rends l'argent que t'as racketté à mon pote et que je t'ai présenté, ok? Quand on rackette quelqu'un, on rend pas l'argent, frérot. Bah, si, quand tu rends l'argent, frère. C'est comme ça chez les jeux bourges. Chez les bourges, c'est comme ça, frère. Moi, je suis un bourge, mon frère. Regarde comment je suis un bourge, mon frère. Oui, mais frère, il faut que tu. En fait, moi, quand je suis dans les quartiers, je m'adapte au quartier. Quand toi, t'es chez les bourges, il faut que tu respectes chez les bourges. Donc, tu rends l'argent à mon pote. Voilà, c'est bon. T'es millionnaire, frérot. C'est pour le principe, c'est pour le principe, c'est pas pour l'histoire de vie. Ouais, c'est... Bah vas-y, tu vas mettre bien, alors tu mets bien. Vas-y, on voit. Tu me rends l'argent et vas-y, je peux peut-être mettre bien. Voilà, à la limite, je préfère. Je préfère faire ça. Tu vas faire beaucoup plus. Ah ouais? Ah bah vas-y, je te rends le bureau. Bah voilà, au pire, mon pote entrepreneur, il donne un plan sous, comme ça tu fais de l'oseille et après tu lui rends son argent. Vas-y, moi je suis chaud. Ok. C'est quoi? C'est moi qui t'invite. On va aller au resto en bas. On va au resto en bas, ouais. Tu payes? Je paye, y'a pas de soucis. Ah bah c'est carré. Ah bah voilà, bah voilà. Vas-y, bah c'est carré. On restera en bas, vas-y, c'est parti. Tu payes, hein. Les riches, faut pas les racketter. Ouais, faut les... Les gars, je suis avec Bernard et Marlon, et là, ils sont en train de faire la paix, ouais. Parce que Bernard va donner le plan à Marlon pour comment faire de l'oseille. Ouais. Voilà, au final, les gens aisés, ils doivent aider les gens comme Marlon, par exemple, de réussir. Donc là, montre-nous, même à mes abonnés, à comment tu fais de l'oseille à la roulette. Allez, c'est parti. Ouais. Je vais vous montrer comment il fait 100 euros juste en s'inscrivant gratuitement. Alors, vas-y, déjà, 100 euros. C'est un truc de ouf. Alors tu mets des regarde. Donc là j'ai créé mon compte, ok Bernard, ouais. Je vais déposer et regarde le casino, ils offrent de l'argent. C'est-à-dire regarde, si je dépense 50 euros, si je mets 50 euros, le casino va offrir 50. Bon moi je vais mettre 100. Ouais, donc en fait coup, si tu mets 200. Si tu t'inscris que tu mets 100 euros, tu gagnes 100 euros. Voilà, et là tu peux les retirer direct. Mais c'est un truc de malade, merci, tu vois. Tu vois qu'il fait plaisir, c'est un bon. Tu vois que c'est un bon. Déjà là tu t'es fait ça. Wesh. Wesh, mal. Wesh. Allez, on va à Miami. Mais on se casse à Miami. L'astuce, ça marche vraiment. Wesh. Les gars, si vous voulez gagner 100 balles en vous inscrivant, et en plus c'est l'astuce, vous envoyez un message à Bernard l'expert. Il répond gratuitement et vous donne l'astuce. Envoyez un message rapidement pour essayer à votre tour. Bon, là tu nous dois, franchement on lui doit un allez, truc là. C'est quoi les gars, maintenant on va au spa. Arrête de mentir, arrête. Vas-y, on va au spa. Qu'est-ce que c'est, trop beau la vie d'artiste. Oh putain, vas-y. Les gars, on va au spa, c'est bon. Ah, moi je traîne avec vous les gars, je suis un bactou maintenant. Grâce à Bernard, il va nous faire kiffer son hôtel et son spa. Il est vraiment millionnaire ce Bernard.